Comme prévu, la fille de Leticia d'Espagne a intégré l'Académie militaire de Saragosse, le 17 août 2023. La Maison Royale dévoile les premières photos de la princesse Léonore en tenue militaire. La princesse Léonore entre à l'Académie militaire de Saragosse, le 17 août 2023. Le lendemain, la fille de Leticia et Felipe V d'Espagne entame directement son premier jour en tenue militaire. La Maison Royale publie les premières photos de la fille de Leticia d'Espagne en tant que cadet Borbon Ortiz. La fille aînée de Leticia d'Espagne et du roi Felipe V intègre cette année l'Académie militaire de Saragosse. Le 18 août 2023, la princesse Léonore entame sa première journée au sein de la section armée de terre de la prestigieuse Académie de Saragosse, en Aragon. La veille, la princesse des Asturies, 17 ans, a été accompagnée par Leticia d'Espagne, Felipe V et sa sœur l'infante Sofia jusqu'aux portes de l'Académie. La petite famille a été accueillie par le général Manuel Pérez López lui-même, le directeur de l'Académie militaire. Sur les photos, on peut voir Léonore, la princesse prisonnière de sa mère, sourire aux lèvres et visage enthousiaste, dans une tenue plus ou moins décontractée. La fille aînée de la reine Laetitia d'Espagne arbore une chemise bleu ciel partiellement rentrée dans son pantalon blanc. Le vendredi 18 août, les choses sérieuses commencent pour la princesse des Asturies. D'ailleurs, Léonore d'Espagne a troqué sa tenue casual chic contre l'uniforme militaire. La princesse Léonore semble dans son élément, portant l'uniforme de cadet et un couvre-chef, peut-on lire dans les colonnes de Histoire Royale, commentant les photos de la princesse Léonore partagées par la Maison Royale. Sa tenue de camouflage et son couvre-chef lui vont à ravir. On peut également en dire autant de sa nouvelle coiffure. Ici, pas question de style, mais plutôt de coupe de cheveux réglementaire, comme on peut le voir sur les photos. Au sein de l'Académie militaire, la fille de Leticia d'Espagne répond désormais sous le nom de cadet Borbon Ortiz. Leticia d'Espagne, sa fille Léonore devra travailler plus que ses camarades, un parcours atypique attend la future reine d'Espagne. La formation militaire de la princesse Léonore d'Espagne durera 3 ans à partir de maintenant. Pour cette première année, qui devrait se terminer au mois d'octobre, sa formation se fera au sein de l'armée de terre. Les 2 années suivantes, Léonore d'Espagne intégrera respectivement l'Académie de la Marine et l'Académie de l'Air. Rappelons que la princesse Léonore devra pourtant travailler plus que les autres. En effet, en raison de son parcours atypique, ses études seront condensées et elle devra étudier 2 années en une. Dès octobre, ses instructeurs considéreront qu'elle a assimilé l'équivalent des rudiments de la première année, explique Histoire Royale.